Salut à tous, c'est Tiz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur eFootball 2023. Et aujourd'hui, eh ben écoutez, je vous annonce qu'on a un tirage pour le Worldwide Club. Du coup, on va voir ce qu'on peut avoir. Del Piero, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, Del Piero, je l'ai pas encore. Lampard, ce serait bien aussi. De toute façon, ça va être un des deux. Donc, c'est plutôt cool. J'espère que vous allez bien, tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai fait deux défaites là en division hier soir. Je crois que j'ai joué, j'étais fatigué. J'avais l'impression que le script était contre moi, mais je crois que c'était de la fatigue. J'ai perdu un match contre un mec vraiment très très fort. Et j'ai perdu un match contre un mec vraiment pas très fort. Ça m'a énervé. Du coup, j'ai arrêté de jouer, etc. Et on a Alessandro Del Piero, qui doit être vraiment pas mal, je pense. On va essayer, hein, Del Piero, je pense. 88 en SA. Contrôle de balle, il est en... Qu'est-ce qu'il a? Il est numéro 10 classique. Ok, bah pourquoi pas essayer Alessandro Del Piero. Ici, est-ce qu'on a encore des... Ah, c'est encore, de nouvelles cartes, ça? Attendez. Oh là là, mais il y a encore des nouvelles cartes. Mais c'est incroyable, il y en a tout le temps. C'est un truc de fou. Alors là, je savais pas qu'il y avait encore ces nouvelles cartes. Je suis en train de regarder, il y a encore un Mbappé. Mais c'est pas possible, il y a des Mbappé qui sortent toutes les... Pour le 29 décembre. Donc ouais, c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont vu le match d'hier, ils ont déjà mis aujourd'hui. Il y a encore un nouveau Mbappé. Non, mais c'est un délire total. Je sais pas trop si je vais packer ici. Il y a du Pedri, du Ansu Fati, du Coman. Ouais, il y a des bons joueurs quand même. Hein. Il y a quand même des bons joueurs. On va packer un tout petit peu. On va voir ce qu'on peut avoir. Des Mbappé, je crois que j'en ai 4. Du coup, c'est vraiment abusé. Là, j'en ai un peu trop. Évidemment, je me le tape le mec du Celtic. Ah, bah, c'est Sudi Furu Hachi. Il a 91 en AC. Ça peut être sympa. Vitesse, accélération, puissance de tir surtout. Équilibre, endurance. Bon, ok. Pourquoi pas? Bah écoutez, je vais ouvrir les packs. Hein. De toute façon, j'ai mis, je crois que j'avais mis 10 euros là, il n'y a pas longtemps. Je vais ouvrir les packs. On va voir ce qu'il y aura dedans. Frimpong, latéral offensif, MLD. Il y a 92 en MLD. Ça peut servir si un jour on joue à 3. Je sais pas trop mon truc, mais bon, ça peut servir si on, fait une formation en 3-5-2, par exemple. Un Frimpong, je vais le garder. Oh, c'est qui ça? C'est ça là encore? Ah non, c'est Firmino. 93 en attaquant de soutien avec 90 de contrôle de balle. 87 de passe à terre. Ouh, il est intéressant le Firmino pour le coup. Hein. En AC comme ça, il peut être intéressant pour le coup celui-là. Et est-ce qu'on va avoir le Mbappé à 97, les amis? Vu que j'en ai déjà pas mal, le Mbappé à 97. Non. Ce sera Foyce. C'est un latéral défensif. 91. Ça peut être utile aussi de mettre un latéral défensif. Parfois, on a encore les International Cup ici, on a les Shining Stars, il y a tellement de packs à ouvrir partout. Là, ils sont en train de faire des packs de partout, vraiment. Alors, je vais réessayer un autre Mbappé, parce que hier, je me suis fait ouvrir par un Mbappé qui était trop trop fort. C'était celui du PSG, je crois. Hein. Ah, mais c'était peut-être le nouveau, en fait. Je sais... Non, le nouveau est sorti ce matin, je ne sais plus lequel il avait, en vrai. Ça devait être celui-là. On va essayer de mettre celui-là. À la place de Messi, on va faire rentrer dans l'équipe Firmino. Firmino qui a l'air vraiment pas mal. Furuhashi, je pense pas qu'on va le tester maintenant. Bobby Firmino, il a l'air cool. Hein. Il a l'air pas mal du tout. En SA en plus, c'est bien pour lui. SA. On a Bellingham, ok, Christensen. Je vais enlever Harry Kane et je vais mettre quelqu'un d'autre. J'ai En-Nesyri à 93 aussi quand même. Il va être bon de la tête lui. On va mettre Gakpo. Gakpo à la place de Harry Kane. Et on va partir comme ça, je pense. Du coup, en ligue. Bon, comme je vous ai dit, j'ai perdu deux matchs hier. J'étais dégoûté, franchement. Sur la 25-4, ce qui est quand même très très bien. Je suis très content. Mais j'ai pris. J'ai pas pris 5-0, c'est parce que j'ai quitté à la fin. Ça m'a énervé. Et donc voilà. On va aujourd'hui essayer de mieux jouer. J'ai joué hyper tard hier. J'étais fatigué. Du coup, quand j'ai pris 2-3-0, je ne me rappelle plus combien il y avait, ou 3-1, j'ai quitté. Parce que je suis allé me coucher, en fait. J'ai marre, j'arrivais à rien. Et je me suis dit, je ne vais pas continuer tout le match à m'énerver. Je vous avoue, j'aime pas ceux qui quittent en général, moi, ça me fait chier. Mais là, je l'ai fait et honnêtement, ça m'a saoulé. Donc voilà, on va essayer aujourd'hui de mieux jouer. C'est parti. Division 1 peut-être. J'ai eu que des divisions 1 hier soir quand je jouais. Donc du coup j'ai eu deux divisions 1 et c'est parti le joueur. On va attendre un nouveau matchmaking et c'est parti. D'ailleurs c'est vrai qu'on dit toujours les serveurs Konami etc.
Mais je suis en train de me dire, il n'y a pas de serveur, non? C'est du peer-to-peer. Hein. Je sais pas si quelqu'un a l'info, mais je crois qu'on joue sur nos connexions. Hein. Il y en a un qui host et l'autre qui est sur la connexion de celui qui host, je crois. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit des serveurs dédiés, en tout cas pour tous nos matchs. Ce serait pas possible d'ailleurs, je pense. Il y aurait tellement de matchs. Enfin, voilà. En tout cas, c'est pour ça que souvent on entend dans les légendes urbaines, il y a le script, il y a aussi les serveurs Konami et tout. Mais en fait, les serveurs Konami, je pense que c'est votre connexion, ma connexion ou la connexion de du mec chez qui vous jouez. Qui est Lost, hein, je pense. Qui est l'autre de la game. On va le retrouver dès qu'on a trouvé. Ok, j'ai trouvé un adversaire. J'ai pas vu du tout s'il était en jeu Camp Nou. C'est le stade qui est flou, là. Oh là là. J'ai pas vu du tout, par contre, s'il était Division 1 ou quoi. Donc ce sera la petite surprise. J'ai oublié de mettre Del Piero. Mais non, je suis con, j'ai mis Firmino. J'ai oublié de tester Del Piero. Ah merde, j'aurais bien voulu le tester, mais je l'ai pas mis en remplaçant même. Ok, il a une équipe full, pas mal espagnole, avec Del Piero, Mbappé, Messi devant. De toute façon, là, les équipes maintenant, si vraiment vous jouez beaucoup au jeu, vous avez tous des équipes de malades. Les plus grosses équipes de fous, de zinzin, c'est vraiment celles où il y a full légende. Mais bon, on peut tous les battre de toute façon. Et c'est vrai que je vois souvent dans mes commentaires, je vois souvent des gens qui disent « Faut pas vous cacher derrière les excuses ». Les mecs ont des grosses équipes, on peut pas les battre. Honnêtement, dans le jeu, vous pouvez, si vous êtes plus fort que le mec, vous pouvez battre. Avec une équipe moyenne, vous pouvez battre tout le monde. Si vraiment vous êtes plus fort. Évidemment, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a un petit avantage quand on a que des gros joueurs, c'est sûr. Mais si vous êtes meilleur, vraiment si vous êtes meilleur. Après, à niveau égal, oui, ils auront les petits trucs qui vont faire que ça va faire la diff. Avec des gros joueurs. Mais si vous êtes meilleur que le mec en face, franchement, vous gagnerez vos matchs. Allez, je suis en bleu aujourd'hui. Bleu et Bordeaux. Deuxième maillot de l'Ajax Amsterdam. La connexion n'est pas terrible d'ailleurs là sur ce match, je trouve. Allez. Maria. Di Maria, c'est quand même une belle surprise. Je trouve qu'il est vraiment fort. Tellement agile. Frenkie de Jong pour Saka. Ensuite, le centre sur Mbappé. Oh, j'ai voulu tirer couper au premier poteau. Il n'y a pas assez, ça, dans les jeux de foot, le fait de couper au premier poteau. C'est un truc qui se fait tout le temps par les avant-centres. Couper au premier poteau pour les têtes, etc., pour même au pied. Et ça se fait pas assez dans les jeux de foot. Ouais, il m'a mis un sacré vent, là. Ça se fait pas assez dans les jeux de foot de couper au premier poteau. Je trouve vraiment que c'est dommage. On voit peu d'appels de mecs qui coupent au premier. Ouf, c'était bien joué, là, de sa part. Il dribble bien. Dribble bien sans trop courir. Moi, j'ai un peu défendu en courant, ce qui n'est pas conseillé. Je vous ferai des vidéos aussi où je vous parle vraiment de ce que je fais. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé pour essayer de progresser, de leur dire vraiment ce que je fais sur le jeu, quoi. Je pourrais vous le dire un petit peu, ouais. Attention, Jordi Alba, ça va pas sortir. Il revient sur le gardien. Ouh, fou, 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 fou. Il a failli faire une petite connerie là. Firmino a pas encore touché la balle. Du coup, je peux pas encore vous dire que je pense de son toucher de balle. Mais il a 90 de toucher de balle. À mon avis, il va être pas mal. Attention, ma défense est déséquilibrée. On est plus que 3. Il joue bien. Hein. Attention en haut. Oh, je le savais. La passe un peu longue, heureusement. Et Piero. Oh, il est beau. Il joue bien, hein. Il joue sans se précipiter. Et là, je pensais pas qu'il avait même une frappe comme ça, mais la frappe est incroyable. Oh, la frappe de Del Piero est incroyable. Il m'a mis un enroulé, l'enfoiré. Pourtant, je savais qu'il allait la mettre en haut. Vous avez vu, j'ai essayé d'intercepter. Et je l'ai pas eu, la balle. Et du coup, même si la passe était un peu longue, bien joué à lui. Allez. Il était dangereux du tout encore dans le match. Bobby Firmino. Oh, dommage. Oh, pas de chance. Oh, je suis dessus à chaque fois, j'ai l'impression. Et en fait, je suis pas dessus, quoi. Super, la passe de Firmino, là, pour le coup. Oh, Mbappé, j'ai tiré en bas, je sais pas pourquoi. J'ai dû commencer le tir quand je faisais la fin de mon dribble et ça enregistrait que je tire en haut. Je voulais complètement tirer croisé. Alors, je pense que j'aurais marqué en croisé, en plus. Grosse erreur de ma part, là. Bon, ça va, j'ai au moins des occasions, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait, là?
Di Maria, dommage. Jouer la récupération. Firmino qui va se faire avoir, lui. Bien joué. Il va revenir sur son pied droit, je le savais. Non, pas de faute. Oh, j'ai failli faire une faute. C'était chaud de ouf. Oh, Firmino. À la charrette. Pour Mbappé. Allez, Saka. Saka qui frappe, dommage. Allez, Mbappé. Ah, dommage, le gardien. Il n'y a plus que la repousser du point. Bon, je commence à me rapprocher, on va dire. Je commence à me rapprocher. C'est pas mal. On va essayer de faire le corner dans le... La passe dans le rond, là, dans le demi-cercle. Là, vous pouvez essayer. J'ai marqué pas mal de buts récemment. J'appelle comme ça. Et après, finalement... Ah, il m'a grillé. Il m'a grillé de fou. Firmino tire, dommage. Et heureusement, c'est pas passé ça, Guardiol. Allez, Saka. Oh, Saka, il accélère pas. Comment ça se fait? Il court trop vite. Là, vous avez vu l'accélération qu'il m'a fait? J'ai même pas pu dépasser le mec. C'est trop bizarre. Parfois, les joueurs, ils sont pas pareils. C'est ça qui est bizarre. Parfois, selon contre qui vous jouez, etc., les joueurs répondent pas pareil. Parfois, Saka, c'est comme ça, là. Ça, là, parfois, j'ai l'impression que c'est une bombe. Il accélère de fou et tout. Et parfois, il est tout mou. Mais c'est vraiment joueur par joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, j'ai vraiment trouvé Saka très, très mou. Il est super mou. Allez, Saka. Oh. Oh non, Firmino, qu'est-ce qu'il me fait comme centre? Là, je pensais pas qu'il était si tordu. Firmino, il a l'air pas mal, mais... Faut vraiment que je... Je me fais endormir dans ce match, les gars. Je me fais complètement endormir. Je trouve que mon équipe est pas bonne. Ça me saoule. Il a fait le piège de hors-jeu, là. Il aurait peut-être pas dû... En fait, je galère. À chaque fois, regardez, il est avant moi. Regardez, il est avant moi tout le temps. Il y a des matchs comme ça, et c'est là où à chaque fois je vous parle du script. Et qu'il y a des matchs où vous sentez qu'en fait, le mec, vous allez faire des dribbles et tout. Il est tout le temps sur vous. Et je sais pas. J'ai pas le temps de faire les décalages, de me retourner. Il est tout le temps sur moi, et j'arrive pas du tout à changer ça. Du coup, c'est très très chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer Saka, parce qu'il est pas bien du tout. Je vais changer également de système. Et moi, Mbappé qui est pas en forme en plus. Ça, c'est un peu la merde. On va essayer de jouer hyper centré comme ça. On va mettre Gakpo à la place d'Mbappé. J'avais même pas vu qu'il était pas en forme. Le petit Kylian. En fait, je trouve que là, ça sert à rien d'écarter. Je sais pas si mon coup tactique, entre guillemets, va marcher. Ça sert à rien d'écarter puisqu'il est tout le temps sur moi. Le temps de... Regardez, il est tout le temps sur moi. C'est un truc de fou. Et pourtant, honnêtement, regardez, je peux pas revenir, c'est un truc de fou. Les joueurs se décalent tout seuls, je suis en retard de partout. Il va marquer. C'est incroyable. Je sais pas comment, je peux rien faire. Je vous jure, il y a des jours comme ça. Je sais pas, alors pour le coup, si c'est la connexion, j'ai pas l'impression d'avoir de latence. Je peux rien faire, je suis juste pas sur lui. Pas sur lui, en fait. Vous avez vu comme il a tout le temps de faire ce qu'il veut. Et moi, en fait, je vais toujours avoir un gars sur moi. Je peux jouer à une touche, je peux tout faire. Il y aura toujours un mec sur moi, j'en suis sûr. Oh là là. Il n'avait pas fait la passe au bon mec. Mais je pouvais pas appuyer. C'est catastrophique. Regardez, c'est long. Oh là là, mais pour se retourner, c'est un camion le truc. C'est un camion 3 tonnes, les gars. Je peux rien faire, c'est horrible. Ouais, je comprends pas. Quand c'est comme ça, je sais pas quoi faire. Allez, je peux pas prendre les balles, c'est ouf. Vas-y, mon gars.
Ah, il faut donner. Ah, dommage, j'aurais dû la garder en fait. Je sais même pas si ça va être bien de jouer hyper comme ça, centré. On va voir. Oh, elle était belle, dommage. Oh, la frappe de Firmino, dommage. Elle était bien partie, celle-là. J'ai pas fait beaucoup de frappes, hein, franchement. Celle-là, c'était une belle occasion, quand même. Essayer de refaire la même tactique. Je vais pas avoir, lui. Hein. Ah, vous avez vu, il vient pas. Hein. Pour moi, je crois, ouais. Regardez comme j'ai pas le temps, c'est un truc de fou. J'ai le temps de rien faire. Oh, il marque pas Firmino. Oh là là, Bobby Firmino, t'aurais pu la mettre cette tête. Ils ont tous sauté à travers, le gardien est à travers. Et toi, tu la mets à côté. Aïe, 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 ça sent le match qui pue le ouf. Ah, il a la tête, je vous... Allez, allez. Allez, mais... Oh, on dirait que je peux pas les prendre, c'est fou. Regardez le temps qu'il met. Mais c'est un truc de ouf. Oh là là là, c'est dramatique, les amis. Gakpo, Firmino. Allez, Firmino. Oh là là, il se traîne, c'est incroyable. Allez, Gakpo. Gakpo. Oh, c'est arrêté. Foden. Oh, Foden qui tire à côté. Non, c'est pas possible. Putain, c'est dur. On va se mettre en offensif parce que sinon on va jamais revenir. Hein. Oh, elle est sortie. Hein. Allez, c'est reparti les amis. Oh, Gakpo, tu regardes la balle passer là, mon ami. Non, mais c'est une blague. Incroyable, je peux pas le gagner, c'est impossible. Je pourrais jamais gagner ce match, c'est impossible. Regardez ce qu'il me fait mon défenseur, je sais pas ce qu'il me fait, il me fait une espèce de crotte. Et après la frappe, elle est en plein milieu. Regardez, c'est n'importe quoi en fait. Parfois il se passe des trucs, mais incroyables sur ce jeu, mais c'est un truc de dingue. Franchement, ce jeu, c'est parfois un truc de fou. Bon, bah on n'a plus trop le choix, hein. Honnêtement. On va faire jouer Neymar en haut aussi. J'ai plus le choix, hein. Il faut aller attaquer de dingue. J'ai vraiment l'impression que je pourrais pas marquer. Enfin, que je pourrais pas marquer, que je pourrais pas gagner. C'est clair. Ah, je suis trop lent partout. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Et pourquoi il me met les trucs sur mon écran, là? Je vois rien. Oh non, mais c'est pas vrai. Pff, franchement, mais c'est dingue. Mais il y a de quoi péter un câble, parfois, hein, ce jeu. Hein. Vous avez vu, entre la tête que Firmino a raté et tout. Plus ça, là, ce qui est raté, le Gakpo, ce qui rate du gauche. Putain... Ça veut vraiment dire que je marquerai pas, quoi. Là, il y a faute. J'y arriverai jamais. J'ai changé de formation, j'ai tout essayé, j'arrive pas. Une passe en plein milieu, regardez, c'est lui qui allait l'avoir. Si le goal sort pas, c'est lui qui allait l'avoir. En fait, parfois, ce qui est dingue sur le jeu, c'est que parfois je me dis, le script, c'est n'importe quoi. C'est juste psychologique et tout. Mais parfois, tu peux juste pas te... Tu peux juste pas y échapper, en fait. T'es obligé de te dire que ça existe, en fait. C'est un truc de fou. Il se passe des trucs, je sais pas. Pourtant, je joue comme d'habitude et... Ouais. Firmino, il est bon, pourtant, hein. Regardez, il est tout le temps sur moi. Je peux rien faire, regardez le pressing qu'il me met. C'est un pressing de dingue. On dirait que je peux rien faire.
Oh, je l'ai mis en profondeur et ça n'a pas marché encore. Quand même, 85e quoi. Pouh. Allez, on sait jamais maintenant. On va se mettre en full offensif, il faut prendre des risques de dingue. La passe qui me rate. Oh, la passe qui me rate, comme il a bu. Lui, il va gagner du temps en plus. Allez, Bellingham, le centre. Allez, Firmino. Oh, mais non, mais j'en peux plus. Oh, mais j'en peux plus. Oh là 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 là, mais ce qui m'arrête. Faute, faute, faute. J'en aurai une dernière. Le match est trop dur, c'est fou. Je sais même pas quelle division il est, lui, j'ai pas vu. Mais le match est trop dur, en fait. C'est un truc de fou. Après, j'aurais peut-être dû mettre une formation beaucoup plus offensive direct pour essayer de le gêner. Je sais pas. Parfois, j'ai envie de jouer en 4-6 dans le jeu. Je me dis, ça marche mieux. C'est complètement con, hein, mais... Je serais à essayer, ça, de jouer en vraiment les 4 derrière. Et après, vous mettez 6 joueurs en haut. Je suis sûr que ça marche, en fait. C'est ça qui est fou. Et c'est comme ça que vous faites un gros pressing, quoi. Attention, ils jouent leur jeu, en fait. Ça va être fini, hein. Ah, mais ça me rend... Ça me rend fou de perdre ce match. Honnêtement, ça me rend fou. Je trouvais pas terrible. Et finalement, je vais perdre. Ouais, mais après, il a eu ses occasions. Il n'y a rien à dire. Mais moi, je pouvais pas jouer. J'arrivais pas à... Je sais pas. J'étais débordé tout le temps, en fait. Là, faut avouer qu'il avait bien joué. Regardez, il dribblait bien, quand même, hein. Mais juste, je vais remettre son but. Et alors déjà, son premier but, rien à dire. Celui-là, je rate l'interception. Bon, Del Piero, il a juste enroulé. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est Del Piero en plus. Donc, c'est un très bon joueur comme ça. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait Kylian Mbappé. Oh là, il me fait un arrêt, Neuer. Mais c'est pas possible. Vous y pensez, les arrêts comme ça, c'est dingue. Et c'est incroyable. Donc j'ai raté celui-là, après j'ai Saka qui a frappé, ça a été contré, rien de spécial. Lui, c'était Messi qui a eu une occasion cette fois-ci. Bien joué là, le dribble, il tire fort avec Messi, non c'était pas terrible comme action. Celle-là aussi quand même. Là j'étais bien tranquille, oh, je mets une mine, je mets toute la jauge, genre Neuer il plonge comme ça, il me l'arrête. Je suis, oh là mais c'est dingue quand même, Neuer il est trop chaud là. J'ai quand même beaucoup d'occasions. Hein. En vrai, c'est pour ça. Ça me déprime moins quand je vois. Là, celle-là, il est tout seul. Il la rate. Neuer était complètement aux fraises. Mais justement, il avait appelé au premier poteau, hein, pour le coup, Firmino. Donc, c'est vrai que quand je vois tout ce que j'ai raté, j'ai quand même pas mal d'occasions. Hein. Celle-là, alors ça, c'est une blague aussi. Il m'arrête ça. Neuer, en fait, il fait un match de fou. Il fait un match de fou, en fait. Neuer, c'est un mur, en fait. Et là, regardez, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et cette frappe, c'est quoi? Plein milieu. Dégueulasse. C'est, franchement, c'est, regardez, c'est quoi ce but? Regardez, là, j'intercepte la balle en plus. Je la prends. Il se passe un truc, j'ai rien demandé. Lui, Messi, du droit, il frappe en plein milieu du but. Et Casillas, il l'arrête pas. Franchement, c'est quand même fou. Vous avez vu par rapport aux occasions que j'ai, c'est quand même dingue. Là, la passe, parfaite. Pied gauche, tranquille. Bon, bah, le poteau, voilà, pas de chance. Ça, il dégage un peu en toute vitesse. Ok, ça c'est le but. Il a une touche. Bon, là, quand même, il me l'arrête pas. Je suis à 2 mètres du but quand même. Là, faut arrêter. Mais après, c'est vrai qu'il faut avouer. J'ai eu tellement d'occasions en fait. Je me rendais pas compte. J'avais l'impression que je pouvais rien faire. J'ai eu plein d'occasions en fait. Celle-là, il l'arrête encore. Ici, Rudiger, il rattrape. En fait, Neuer, mais c'est une blague en fait. Il m'a fait un match. De malade mental, Neuer. En fait, c'est ça. Je me suis énervé pour rien et tout. J'avais l'impression de pouvoir rien faire. Et au final, j'ai eu plus d'occasions que lui. Et par contre, son Neuer a fait un match... un très, très gros match, quoi. Vraiment un très gros match. Écoutez, bien joué à lui. Ça m'énerve. Ce jeu, quand c'est comme ça, ça m'énerve. Sur son deuxième but, je comprends pas ce qui se passe. Honnêtement,
je mets pas mon joystick vers l'arrière, vous savez ce que je, vous voyez ce que je veux dire? Quand j'attrape la balle, je veux pas aller vers l'arrière, je sais pas pourquoi il fait ça. Et bon, ben, c'est chiant. Hein. C'est comme ça. Allez, on a 74% de victoire, c'est quand même pas mal. Sur ce, ben, on se retrouve très bientôt. C'est jusqu'au 12 janvier, on a encore le temps hein, pour cette division. Hein. Du coup, je vous souhaite la bonne journée, etc. Et on se voit très bientôt. A plus tard sur eFootball. Ciao à tous, bisous, c'était Altice.